préparé. Un dragué préparé. Oui, oui. Jamais on a vu, même Kabila ou Tobenga Rwanda, a tout cas jamais pour ça l'élection pour cela. Jamais. Merci beaucoup. Vous avez une raison, mais bien au moment de ce moment, on a les caméras à l'image. Policiers, si policiers, il y a fait de l'année, on a fait 5 morts à l'osso. Il y a 25 kilos de 6 policiers. Allez, yo, on va le deuxième mandat. Tu l'as dit, il y a la Kadima na yo. Vu que mon message est que nous avons organisé l'élection, nous avons fait Kima, nous avons fait Kadima. Si on a vraiment moi, c'est le temps. On a démissionné, on a eu l'élection. Mais on a la poste, nous avons organisé l'élection 2006 à côté de la Samabele. 2011 à côté de la Samabele. 2018, il y a la Kimaki. Il y a pas de la poste, on vit avec moi, on a Il y a un monde qui est comme un Kabisaka. Mais il y a un monde qui est tribalisme. Il y a un monde qui est un peu de côté. Voir au Ghana dans l'élection en 2018. Mais à un moment, on peut le faire. Donc, il y a un monde qui est un peu de vie. Il y a un monde qui est un peu de vie. Il y a un monde qui est un peu de vie. Il y a un monde qui est un peu de vie. Il y a un monde qui est un peu de vie. Il y a un monde qui est un peu de vie. Il y a un monde qui est un peu de vie. Il y a un monde qui est un peu de vie. Il y a un monde qui est un peu de vie. Il y a un monde qui est un peu de vie. Il y a un monde qui est un Mais pendant que vous, Jean-Pierre Bemba, mon nom est ministre de la Défense, il y a un journaliste qui est là. Au moins, il y a un nom de Jean-Pierre Bemba, il y a un journaliste qui est là. Alors, il y a un nom de Jean-Pierre Bemba, il y a un ministre. Il faut s'attendre au résultat impartial et vrai, impossible. Le résultat, il y a un résultat biaisé, il y a un B. Il y a un nom pour éviter que l'hôpital ne conteste le résultat pour que la vérité des signes. On n'a plus besoin de la vérité des signes. Comme il y a des irrégularités dans l'élection de 20, pour annuler un mot, organiser un scrutin moko impartial pour que prochainement Moutoué gagne, à la Moutoué, à la refléter volonté à Nini, il y a peuple. Oui, merci beaucoup. Donc, nous sommes ici pour exiger l'annulation pure et simple des élections chaotiques organisées le 20 décembre qui se déroulent jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu dans un pays où les élections peuvent se dérouler pendant une semaine. Ça n'existe pas. C'est la pauvre civilisation que nous voilà, car ils n'étaient pas préparés d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. En vertu de quoi aujourd'hui Kadima est en train d'organiser les élections? En dépit de quelles dispositions? Nous exigeons l'annulation de ces scrutins et puis la démission pure et simple de M. Kadima. S'il ne veut pas obtempérer, dans les jours à venir, le peuple congolais nous allons prendre en charge et nous allons appliquer l'article 64 qui stipule que non, aucun individu et aucun groupe d'individus ne peut prendre les pouvoirs et les confisquer en violation des dispositions de la Constitution. Voilà pourquoi nous sommes là, déterminés avec le peuple congolais. La paix a changé du temps. Vous avez vu la population à Liès, ou bien dans la journée, pendant qu'on est en train de publier le fameux résultat partiel. C'est parce que la population ne se retrouve pas dans ça. Voilà pourquoi nous voulons ceci, que le meilleur gagne. Si nous voulons des élections crédibles, nous devons d'abord annuler les élections qui se sont déroulées le 20, pour que demain,
les autorités que nous allons élire puissent avoir la légitimité du peuple du Congolais. Mais si Kadima et Chilombo continuent à faire le forcing, nous n'allons pas nous taire et nous allons appliquer l'article 64. Parce que le peuple a été à la fois victime et témoin. Témoin parce que le peuple a vécu. Le peuple a vécu, c'est un peuple qui a attrapé les ministres, les députés, les gouverneurs, les hauts cadres des dépenses de l'Union Sacrée avec des machines. Madame, d'après nos informations, 13 530 machines ont été distribuées par M. Kadima aux hauts cadres des dépenses de l'Union Sacrée pour voter prioritairement les candidats du pouvoir. Nous sommes là pour exiger l'annulation de ces faux résultats. C'est un putsch, c'est un coup d'État qu'on est en train de planifier. Et nous portons le peuple à porter pour éteindre le feu. Quand Félix Tshisekedi devait mettre le feu dans notre maison. Madame, même Kabila, qui dépasse les autres qui avaient qualifié de Rwandais, n'a jamais organisé un tel tableau. Je ne sais pas si vous êtes informé, même aujourd'hui, le 27, on continue de voter au Kassai. On continue de voter chez moi au Sankou. On a en train de voter ici au Bandung. Alors que le calendrier électoral dit que les élections seront organisées le 20. Le calendrier électoral n'a pas dit qu'on organise les élections le 20, le 21, le 22, le 23, le 27. L'article 52 de la loi électorale dit que les votes commencent de 6h à 17h. Le président de la CENI peut estimer qu'on peut récupérer 1h ou 2h. Pas 7 jours, madame. On est en train de battre les records Guinness de l'élection la plus longue en Afrique. Nous n'accepterons pas. Il faut obtenir l'annulation de ces faux résultats et que la classe politique se réunisse pour convoquer de nouvelles élections dans le meilleur. Et si vous obtenez pas? Tobi ete tozali kobandela maponomi oyo tobandela yango kuke maponomi sai malamu te ya liboso nalakisa yo ke tricherie moyibi esalemi na kati ya maponomi oyo bakamati bachibau bakalonshi bamutombo batie bango na seni bakamati Kadima mwana kasi ya Chilolo Antoine Félix batieli biso ye na seni pour que a créé ma résultat, a fabriqué ma résultat pour la messie Chilolo Félix. Qu'est-ce qu'ils ont fait, papa? Ils ont fabriqué les résultats parce que Katumbi Batché Dessin. Tout ça, c'est pour humilier la personnalité du président du Martin Fayou. Pour que Balo Baete, en 2028, au Zali Koya, opposant frère et opposition, et pour la Katumbi, Tolobi Nabango, Batika Maseki, Tokenaka Kongé na Kisangani. Pour le bac a été élection Ezala T, de Kotchi Lombo, Kotchi Kala Kosala Awa T, et c'est là qu'on est Sakanaye, à Songa. Yango Piso Tolobi était article 64 de la Constitution. Oto Alaka Koloba, Yango Tobandi. Bino Mogo Boko Mona Basoda. Oe Zali est comme un camp militaire. Siège à Esida, et comme un camp Tchanch, Naka Lfungula, Naka Kokolo, Yaba militaire, Yakoya Awa. Ce qui faut aller de l'autre côté, pour que Martin Fayou abîme là, Baliko Banga, Yango Tolobiete, Banea Tchangu, Banea Moamba, Funa Lukunga, Bazali déjà. Donc Zaliko Bimana, commandant du peuple. Oye Koya, cette fois-ci, et Koya, Yango Tolobiete, Bako Bundana peuple. Ok, man. Bakke.
Keba. Langa casque, y langa casque, ça ça. Oh, y langa casque. Préparé. Madagui préparé. Oui, oui. Décidé affrontement Bakuluna. Attention. Manifestant,
Keba kuluna. Ah, we say go in. No comment, sinon mon rota là. Nous sommes en direct, 27 décembre 2023. Voilà, nous sommes le mercredi, en direct de Sam Pro Image officielle. C'est Fayou là, ils ont accueilli là. Voilà. Attention.
Attention, attention.
Tu as changé. 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 Tu as changé.